J'avais réussi enfin à persuader Holmes de venir se reposer 4 jours avec moi. Tandis que le train roulait à travers la campagne, je pensais à la détente merveilleuse qu'allaient nous procurer ces 4 jours loin de Baker Street. Loin de toute affaire criminelle et loin aussi des expériences souvent saugrenues et quelquefois dangereuses de mon vieil ami. Ah, si seulement ces 4 jours pouvaient durer un siècle. Que se passe-t-il, Watson? J'aimerais le savoir. Ça, par exemple. Vous voyez quelque chose? Non, rien du tout. Pourvu qu'on ait écrasé personne, nous faisions au moins du 40 à l'heure. Nous allions plus vite que ça, Watson. Je croyais que vous dormiez, Holmes. Pas tout à fait. Je pensais à ce meurtre qui a eu lieu à Parkington. Vous savez bien cette triste affaire en Afrique du Sud. Et je Holmes, me demandais pourquoi. Quoi? Vous êtes en vacances. Ah oui, 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 je l'avais oublié, Watson. Monsieur Holmes. Oui, je suis Monsieur Holmes. J'ai relevé votre nom sur la liste des places prises en location et j'ai pensé que vous pourriez nous aider. Nous avons un petit accident. Un accident ou un incident? Mais je suppose que vous appelleriez ça un incident. Un de nos voyageurs a disparu. Disparu? Un petit garçon qui voyageait avec mademoiselle. Il s'appelle Paul. Paul Winmaster. Il faut le retrouver. Et je pense que vous seul pouvez le faire, Monsieur Holmes. Il faut le retrouver. Allons, allons, mademoiselle. Je suis sa gouvernante. Je n'aurais pas dû le perdre de vue une seule minute. Mais quand j'ai fermé la porte après l'avoir mis au lit, j'étais assez folle pour croire qu'il n'y avait plus de danger. Vous croyez vraiment qu'on a pu l'enlever? Non, je suis sûre que Paul s'est enfui. Oh, comment pourrais-je me représenter devant son père? Vous feriez mieux de vous asseoir, mademoiselle. Kendall, Lydia Kendall. Mademoiselle Kendall, et de nous dire tout depuis le commencement. Alors seulement nous pourrons vous aider. Asseyez-vous. Merci. Dites-moi, mademoiselle Kendall, qu'est-ce qui a pu pousser ce garçon à s'enfuir? Monsieur Holmes, avez-vous entendu parler du père de Paul, Lawrence Winmaster? Ah oui, Winmaster, le bûcheron, le roi du bois canadien. Oui, c'est comme ça que les journaux l'appellent. Il est aussi solide que les arbres qu'il abat. Paul, n'ayant plus de mère depuis l'âge de 2 ans, est devenu comme lui sur bien des points, indépendant et sauvage. Croyez-moi, ma tâche n'a pas été de tourpeau. Oui, je m'en doute. Monsieur Winmaster ne lui imposait aucune discipline. Mieux, il était fier du caractère de Paul. Jusqu'au jour où, tout à coup, il lui vint à l'esprit qu'il devait mal élever son fils. Vous m'avez demandé pourquoi le petit s'est enfui? Eh bien, c'est pour ça. Et hier, quand je suis allée chercher Paul, j'ai eu le pressentiment de ce qui allait arriver. Nous partons dans une heure. Oui, mademoiselle. Dépêchez-vous, nous manquerons le train. Dès votre arrivée à l'école, vous conduirez Paul tout droit chez le directeur. Je lui ai envoyé une lettre lui expliquant ce que je veux et... Ah, te voilà, Paul. Ton oncle Serge est venu pour te dire au revoir. Je te souhaite bonne chance, Paul. Merci, mon oncle. On va t'apprendre à être un gentleman. Ce que, j'en demande pardon à ta mère, j'ai oublié de faire. Oui, papa. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mes souris blanches. Quoi? Voyons, voyons, Paul. Tu n'as pas l'intention de les emporter à l'école avec toi. Mais je peux pas les laisser ici. Il y a personne qui s'occuperait d'elles. C'est de la folie. Il y a personne qui aime les souris blanches ici, excepté moi. Eh bien, tu n'as qu'à les rapporter à celui qui les a données. Tu veux dire Coco? Qui? Coco le clown. C'est moi qui l'ai présenté à Coco, le jour où je l'ai emmené au cirque. Ils sont devenus une paire d'amis. Je peux pas les lui rendre. Il m'en a fait cadeau. Paul, je me moque de ce que tu en feras, mais tu ne les emporteras pas. Tiens-toi le pour dit. Très bien. Je les laisserai ici, alors. C'est parfait. Eh bien, il va être temps que vous partiez. Mais qu'est-ce qui te prend? Je veux pas aller à l'école. Quoi? T'es pas allé à l'école. Pourquoi que j'irais alors? Les choses étaient différentes quand j'étais jeune. Mais si c'était à refaire, j'irais. Je laisse mon cheval et mes souris blanches. Et Coco et moi, on avait rendez-vous la semaine prochaine. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Tu deviendrais un sauvage. Mais Lydia pourrait m'apprendre tout ce que j'ai besoin de savoir.
Miss Kendall n'est pas un professeur, c'est une gouvernante. Elle en sait autant que n'importe qui. Maintenant, écoute-moi, Paul. Un jour, tu entreras en possession de tout ce que j'ai. Cette propriété, mes exploitations forestières, mes usines. Quand ce jour viendra, je veux que tu sois armé pour me succéder. Mais j'ai pas besoin d'aller à l'école pour ça. Et puis, je veux pas porter des cols qui font mal au cou. Tu porteras ce que je veux et tu aimeras ça. Et tu iras à l'école, que ça te plaise ou non. Lâche-moi! Je veux pas aller à l'école! Je me sauverai! Tu entends? Je me sauverai! Jamais j'irai à l'école! Mademoiselle Kendall, vous venez? Non, jamais j'irai à l'école! Lâche-moi! Lâche-moi! Il m'a suivi jusqu'à la gare sans plus protester. Et même dans son attitude, il semblait avoir totalement changé. Au moment du départ, il se conduisit comme s'il avait hâte d'être à l'école. Mais bien sûr, ça n'était qu'une ruse pour endormir ma confiance. Vous dites que vous étiez avec lui quand il s'est déshabillé pour dormir. Quelle heure était-il à ce moment-là? Environ 8 heures. Et à quelle heure avez-vous découvert sa disparition? 1 heure plus tard. J'ai entendu du bruit venant de son compartiment. Je suis allée voir ce que c'était et j'ai trouvé la porte fermée de l'intérieur et j'ai dû demander au contrôleur de me l'ouvrir. Et comment il s'y était pris, je l'ignore, mais il avait disparu. Et bien entendu, vous avez fouillé le train. Oh, d'un bout à l'autre avec le contrôleur. Et ne le trouvant pas, j'ai cru bon de faire arrêter le train. Oh, si je ne me trompe pas, il y a une forte pente quelques kilomètres après Darcy. Oui, c'est exact. Bon, à votre avis, à quelle vitesse pouvions-nous rouler alors? Oh, environ 8 kilomètres à l'heure, monsieur, pas davantage. Eh bien, dans ce cas, je crois que nous devrions emprunter une carte à un des fermiers des environs de Darcy et examiner cette partie du trajet. Oui, je vais m'en occuper immédiatement. Quel est le numéro du compartiment de Paul? Le 37. Bon, le docteur Watson et moi allons y jeter un coup d'œil. Non, il est inutile que vous veniez, vous feriez mieux de rester ici vous reposer. Ne vous inquiétez pas, tous les petits garçons aiment faire des fugues, et ils reviennent toujours. Dieu veuille que oui, Dieu veuille que oui. Je dois dire que vous avez simplifié les recherches en pensant à cette côte après Darcy. Watson, voulez-vous m'aider à ouvrir cette fenêtre? Oui. Ah, toutes ces fenêtres de train sont les mêmes. Et voilà le bruit que Mademoiselle Kendall a entendu. Le bruit de la fenêtre ouverte avant que Paul saute sur la voie. Mais oui, vous avez raison. La question est de savoir qui l'a aidé à l'ouvrir. Il a fallu qu'on s'y mette à deux. Exactement. Au nom du ciel, Holmes, vous voulez dire qu'il avait un complice? Voyons, Watson, c'est évident. Oui, mais enfin, qui pouvait désirer aider un petit garçon à s'enfuir? Quand nous saurons cela, Watson, nous connaîtrons la réponse au problème du petit garçon qui ne voulait pas aller à l'école. Nous avons déjà examiné ce coin-là 3 fois, Holmes. Oui, je sais, mais c'est le seul endroit où vraisemblablement il a pu sauter. Mais nous n'avons rien trouvé, même pas la moindre empreinte. Regardez, qu'est-ce que c'est? Une casquette d'enfant. Mademoiselle Kendall, voudriez-vous venir ici 1 minute? Est-ce la casquette de Paul? Oui, oui, c'est elle. Alors ça s'est passé ici. Tenez, regardez-la. Aucune erreur, Watson. Ce sont les empreintes des pieds d'un enfant. Holmes, regardez, en voilà d'autres. Sans doute celles de son complice. Ah, beau travail, Watson. Elle s'arrête ici. Ce qui s'est passé devient très clair. Pas pour moi. Mais si, ils ont pris un autre train, un train local sans doute, allant dans la même direction que le nôtre. Nous dépassons en effet un train local ici, Monsieur Holmes, celui venant de Royal Minster. Mais comment ont-ils fait? Changer de train en marche, ce n'est pas facile. Oui, c'est vrai, Watson, à moins que ces trains ne roulent très lentement. C'est le cas, c'est possible, tout à fait possible, Monsieur Holmes. Bien, alors, je crois que le mieux est de télégraphier pour demander d'arrêter ce train. Oui, monsieur. Pensez-vous le retrouver, monsieur Holmes? Eh bien, nous en sommes à un point, mademoiselle Kendall, où les hypothèses ne sont plus de mise. Nous serons fixés très vite. Thank you.
Paul. Pardon? Oh, je m'excuse. J'ai cru que vous étiez mon élève. Peut-être que dans le compartiment suivant... Oh, c'est le dernier, mademoiselle. Vous m'aviez donné tant d'espoir, monsieur Holmes. À combien de gares le train s'est-il arrêté avant Darcy? 3, comme d'habitude. Est-ce qu'un petit garçon est descendu à l'une d'elles? Pas que je me rappelle. Il y avait un petit garçon. Je lui ai parlé et il est descendu avec son père à Manborough. Tu en es sûr? Ah oui, 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 c'est vrai, je les ai vus. Pardonnez-moi, je l'avais oublié. Pouvez-vous me décrire le père? Pas très grand, grisonnant, bien qu'assez jeune. Ah oui, quand j'ai contrôlé son billet, il y a quelque chose dans ses mains qui m'a frappé. Il avait le bout des doigts rouge. Rouge? Oui, j'ai trouvé ça bizarre sur le moment. Observation précieuse de votre part, contrôleur. C'est la preuve, Watson. Holmes, vous savez qui c'est? Évidemment. Coco, le clown. Coco, le clown? Il était l'ami de Paul. Et de plus, il y a ses bouts de doigts rouges. Dont la signification m'échappe complètement. Du rouge, Watson, dont se servent les clowns pour se maquiller. De peur de manquer le train, il n'a pas pris le temps de l'enlever entièrement. Si vous pouviez dire vrai, monsieur Holmes. Et je suis persuadé que nous les retrouverons tous deux à Manborough. Mademoiselle Kendall envoie un télégramme au directeur de l'école pour lui dire qu'ils ont été retardés. Dès qu'elle aura terminé, nous pourrons partir. Pourquoi faites-vous cette tête? Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui va aller au cirque. Holmes, vous rendez-vous compte que pendant 3 longues semaines, j'ai fait les pires bassesses pour vous persuader de venir avec moi. Et où tout cela va-t-il nous conduire? À Manborough. Et ne vous en plaignez pas, on m'a dit que c'était un coin délicieux pour passer des vacances. Ah, des vacances! Nous aurions pu aussi bien planter une tente dans le bureau de l'estrade. Je sais, mais pouvions-nous refuser de les aider? Non, oui, nous ne pouvions pas refuser. Ah, mais quand nous aurons découvert celui qui est à la base de cette affaire, veuillez vous rappeler une chose. C'est à moi qu'il paiera la note. Alors ne vous énervez pas, Watson. Dès que nous aurons retrouvé l'enfant, nous reprendrons notre escapade. Ouais, cette bonne parole me soulage. Bien, et maintenant en route. Pendant que j'y pense, Watson, je n'en ai pas parlé à Mademoiselle Kendall, mais j'ai de bonnes raisons de croire que l'enfant peut être en danger. Nous n'avons donc pas une minute à perdre. Ça n'est pas un endroit pour laisser traîner les bagages. Holmes, nous ne pouvons pas partir comme ça. Les valises sont restées dans le train. Nous n'avons pas le temps de nous en occuper, Watson. Allons, venez. Mais Holmes, nous n'aurons pas de brosse à dents pendant 4 jours. Je vais rejoindre Mademoiselle Kendall et trouver une voiture. Nous vous attendrons dans la rue. Dépêchez-vous. Oui. Pourriez-vous me dire si l'express est déjà parti? Je sais qu'il a dû prendre une autre voie et j'ai pensé qu'il était encore en gare. Je m'excuse de cette question, mais savez-vous où vous êtes? Ah, bien sûr que je sais où je suis. Je suis à Manborough. Moi aussi, monsieur, mais l'express ne s'est jamais arrêté à Manborough. Jamais, monsieur. Excepté une fois. Mais je vous assure qu'il s'est arrêté ici ce soir. Oh non, monsieur. La seule fois où l'express de nuit s'est arrêté à Manborough, c'était au mois de mai 88. La locomotive avait perdu une roue. Ça s'est passé devant moi. L'express est resté là toute la nuit. Écoutez, c'est très urgent. Il se trouve que je sais que l'express de nuit s'est arrêté ici parce que j'en suis descendu à cette station. Alors ayez la bonté d'aller voir s'il est encore ici. Eh bien, je dois justement aller inspecter les voies dans 10 minutes. Je demanderai le renseignement, monsieur. Dans 10 minutes? Très bien, n'en parlons plus. Watson, dépêchez-vous, la voiture nous attend. Les brosses à dents. Qui est là? Serge, ouvrez-moi. Ça a marché? Nous avons sauté et changé de train. Comme ça. Comme deux acrobates. Où est le gosse maintenant? C'est exactement où je veux qu'il soit.
Allez, montez et finissons-en. J'aimerais avoir une petite avance. Combien ? Cent livres, je crois que ça irait. C'est juste de quoi prouver votre bonne foi. Vous me donnerez le reste quand ce sera fini. Arrêtez-vous derrière cette voiture. Tenez, Watson, prenez ce revolver et tirez en l'air. En l'air? Oui, pour lui faire peur. Mais qu'allez-vous faire? Découvrir qui il est et pourquoi il a enlevé l'enfant. Bon, allez-y, Watson, tirez. Je vous l'ai dit, Holmes, c'est moi qui m'en charge. Mais... Watson, Watson! Tirez, Holmes, tirez! Très bien. Venez, mademoiselle Kendall. Watson, c'est de la folie de prendre de tels risques. Bon, avec votre protection, je n'inscris rien. Relevez-vous. C'est le frère de Monsieur Winmaster. Oh, l'oncle Serge. Oui, et le premier à hériter la fortune de Winmaster si le petit Paul venait à mourir. C'est exact, c'est lui qui hériterait. Vous pouvez ne pas le croire, Monsieur Winmaster, mais vous avez de la chance. Si l'enfant avait été tué, vous, vous auriez sans doute été pendu. Pendu? Oui, pendu. Nous devons l'arrêter. Arrêter qui? Coco, je sais qu'il va tuer Paul. Quoi? En le faisant tomber d'une passerelle. Vous ne pouvez pas vous en tirer. Si vous essayez de m'arrêter, je tue le gosse. Coco. Thank you.
opération parfaite, Watson. Je me surpasse toujours quand une vie est en danger. Il voulait me tuer et moi qui croyais qu'il était mon ami. Eh bien, que cela te donne une leçon, Paul. On n'est pas un ami quand on encourage un petit garçon à s'enfuir de l'école. Pense à ce qui serait arrivé au Dr. Watson s'il n'était pas allé à l'école. Eh bien, c'est très simple. Jamais il n'aurait pu accomplir son exploit. Mais tout ce qu'il a fait, c'est... Pour faire tomber ce contrepoids, jeune homme, il a fallu que je connaisse à fond la loi de la chute des corps. La théorie des poids et des contrepoids, de la force et de la résistance. Alors, s'il n'avait pas étudié la physique, veux-tu imaginer ce qui serait arrivé? Je n'avais pas pensé à ça. Non, évidemment, mais tâche d'y penser désormais. Watson, pensiez-vous réellement aux lois physiques quand vous avez tiré sur la corde? Oh, évidemment, voyons. Hein, c'est bien vrai, ça. Allez, venez-vous. Et vous aussi. Si vous cherchez l'heure du prochain train pour Londres, je peux vous le dire, c'est dans 10 minutes. Oh non, 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 je me demandais où nos bagages pouvaient être en ce moment. C'est curieux, ce train n'est pas marqué sur l'horaire. Mais je pense que nos chemises propres se trouvent à 30 000 au nord d'Édimbourg actuellement. Vous ne voulez pas changer de conversation? Oh, voyons, ne prenez pas tout ça aussi mal. Nous les retrouverons bien un jour ou l'autre. Monsieur, on peut dire que ça m'a donné un choc. Ah, c'est vous encore. Vous aviez raison. L'Express s'est bien arrêté à Manborough cette nuit. J'en suis tombé malade. La première fois depuis le mois de mai 88. Il est entré en gare comme s'il avait été conduit par le diable. D'abord, il a pris la ligne du train local, et puis ensuite, il a repris la voie principale, sans explication. Mais c'est pas tout. Écoutez la suite, messieurs. Il est reparti en laissant deux valises sur le quai. Je le sais parce que c'est moi qui les ai trouvées là. Ah, deux valises, vous en êtes certain? Parfaitement, monsieur. Deux grandes valises. Je ne les ai pas ouvertes, mais il y en a une qui est marquée JW et l'autre SH. Tout ce qui reste à faire, c'est de les garder au bureau pendant les 30 jours réglementaires. Mon cher ami, si vous voulez me conduire à votre bureau, je crois que je pourrais vous en débarrasser en moins de 30 secondes. Mon nom est John Watson. La valise marquée JW est la mienne. Oh, vous voulez dire que c'est vous qui... Et alors ce monsieur serait SH? Oui, 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 c'est mon ami Samuel Higgins. Ah, oh, eh bien dans ce cas, monsieur, si vous voulez bien me suivre pour identifier le contenu, je serais bien heureux de m'en débarrasser. Samuel Higgins? Oui. Voyez-vous, nous avons encore 3 jours devant nous. Et je suis sûr que personne ne viendra déranger les vacances d'un Samuel Higgins.